Salut à tous, c'est Gorskull et bon retour à vous les amis au Gorshop. Des nouveautés, regarde-moi cette somme s'il te plaît de 3944, jour 17. Tu vas me dire, mais Gorskull, t'as pas fait beaucoup de jours, t'as fait que un voire deux petits jours off. Mais oui les amis, pourquoi? On a vendu la carte à 1807 balles. Et oui, elle n'est plus là. Alors regarde, je te montre le screenshot, je l'ai pris quand même. Voilà. Tu vois, ce charmant jeune homme qui est venu dépenser 1807 dollars, ça fait plaisir. Bon, bah effectivement, j'ai pas attendu puisque j'ai tourné la journée même, la suite de l'épisode. Je me suis pris ces nanomites, tu vois, j'y étais presque et je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis dit, mais attends, bon, j'ai plein d'argent, donc plein de trucs à débloquer, les gars. On va déplacer ça dans un premier temps, tu vas voir pourquoi. Parce que on est passé plusieurs fois à côté, au niveau des boosters, les gars, en dessous, des decks préconstruits. Le deck de bataille de feu, le terrestre, bon, on prend les deux, ça fait quand même... ou on prend les trois, ben les 3900 balles disparaissent instantanément. Après, il faut en acheter, bon... Ok, guys, on va faire doucement. Et dans les accessoires, les deck box, les gars. Mais oui, des boîtes pour ranger ses cartes, sans déconner. Donc, hein, c'est pas des licences qui coûtent cher. On va prendre deux couleurs, rouge et bleu, tu vois. Et attention, c'est pas fini, les gars. Des livres de collection. On a des tapis de jeu. On va choisir un petit tapis de jeu aussi. On n'a pas de porcifiacre hein, qui est encore de dispo. Nous, on veut du porcifeu. Mais 1000 balles, puis il est joli lui, hein. Merde, les classeurs collecteurs, ça a l'air sympa aussi. Donc ça, je voulais voir avec vous. Donc 2500 balles, bon, comment dire, on a pas mal de trucs à racheter. J'ai fait, bien évidemment, les amis de l'opening. On va voir ça ensemble. J'aimerais bien un petit présentoir à carte parce que on a l'établi aussi à prendre. Il y a tellement de trucs, les amis, c'est zinzin. C'est zinzin ce game. Et c'est tellement addictif aussi hein, pour ceux qui jouent. C'est où la double étagère là, dont d'une pipe? C'est là. Ok, let's go. Ça, on achète, les gars. Une pour l'instant. Juste l'install, hein, tu vas voir où. C'est vraiment faire comme un hop supermarché, tu vois, normal, tranquille. Alors, c'est pourquoi. Ok, d'accord. Alors, attends. Est-ce que vraiment le coller là? On a de quoi bouger ou pas? Ouais, non, pas trop. Même pour moi, c'est pas forcément l'idéal. On va laisser quand même de quoi circuler nos amis. Hein, le but étant de pas non plus faire un truc tout resserré. Ça, on peut mettre là. Écoute, c'est pas mal. Donc, on a débloqué quoi, les gars? Les decks. Les deck box. Et il nous faut des decks préconstruits. Bon, frac bleu et rouge aussi. Je vais acheter les deux. J'en ai acheté un. On a un sale panier là, les gars. On a un sale panier, moi, je te dis. Du coup, yes, une fois. Et yes, one fois encore. 875, les gars, on est fauché. On a tout cramé. Les gars, on va ouvrir, on a besoin d'argent. On va installer tout ça, il n'y a pas de souci. Les decks. Ouais, on va mettre ça là, tu vois. Donc là, c'est plutôt intéressant, on commence à se diversifier quand même dans les trucs. Bon, a priori, les grosses cartes... Attends, je vous ai pas montré ce que j'ai ouvert encore, les amis. Mais oui, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Les deck box, deck préconstruits. Ouais, les deck box, on va mettre ça en bas, tu vois. On va mettre les deck box en bas. On va mettre le price après aussi, ça sera mieux. Allez, un petit 10%, 10%, ça va les gars. Sur les cartes, hein, c'est notre cher ami Elysia qui disait, ouais, pas trop de... Un petit 10% sur des gros items, des grosses... Ouais, mettre en haut. Sur des grosses cartes, c'est pas forcément l'idéal. J'arrive, monsieur. Voilà, on se diversifie un peu, ça favorise bah, justement bah, les clients, quoi, l'affluence en termes de visite, non monsieur. En termes de visite, c'est pas mal. Donc là, on commence à être bien diversifié. Il faudra acheter des tapis de jeu, des boîtes de jeux de société également. Et bah, écoute, des deck box, des decks préconstruits, ça c'est fait.
on a de la place niveau armoire. Et une fois que j'aurai encaissé un petit peu tous ces petits gars, je vais vous montrer ce que j'ai bien évidemment looté, les gars. Alors, un truc un peu improbable. Tu vas voir, je te spoil pas tout de suite. On va se faire une petite collection déjà. Je te dis pas de quel animal on va se faire une collection. Il y en a deux. Tu sais très bien que je kiffe le Floumi et mon petit porci fiacre. Hein. Donc les gars, qu'est-ce qu'on a loot, s'il vous plaît, messieurs, dames? Le porci fiacre EX, s'il vous plaît, brillant. 361 balles dans le présentoir. Évidemment, on va se faire la collecte porci fiacre, hein, du full art, hein, les amis. Et une grosse carte à 591 balles. EX, une ex brillante, s'il vous plaît. Mais c'est pas tout. J'ai looté une fantôme, les gars. Ouais, j'ai looté une fantôme encore. Et a priori, c'est plutôt rare. Hein. Je suis déjà 3. Mais disons que, comme dans Summoner's War, hein, pour ceux qui me suivent un peu en live et tout, disons que je suis spécialiste des... Je te spoil un peu en disant le terme, mais... Je suis spécialiste des doublons, quoi. Eh, non, non, pas de... On déconne pas. Oh, Heisenberg, il est là, les gars. J'en suis sûr qu'il a un gros sac, là. Il a fait pas mal de trafic ces derniers temps. Eh, hey, tu te fous de ma gueule, là? T'es sérieux, là? Alors, du coup, on a sec, hein, les gars. On a un petit présentoir pour porci fiacre, hein, les gars. Je vais m'acheter. Je vais me faire plaisir. Attends, c'est combien, ce machin-là? 400, hein. Punaise. Oh, ça fait plaisir, les gars. On va se le mettre où, aussi? On a des grosses cartes à vendre, hein. Le porci feu. Ah, le petit présentoir. Ouais, j'ai pas assez de place. Est-ce que je peux le coller, là? À côté, ouais, bah, y a rien encore pour l'instant dans le rayon. Voilà. Les amis, attendez, bougez pas. Le porcifeu, les gars. On va faire la collecte des gros porcifeux. Voyons voir. Attends, bouge pas. On a son évolution, hein. Coche en fer, les gars. Ah, qui est sympa aussi. On a chopé un autre porcifiacre, mais en... En quelle rareté, je ne sais plus. Je sais qu'on en a chopé un autre. La coche en fer encore, là. En première édition. Et un coche en fer, là. S'il vous plaît, voilà. Juste brillante, coche en fer normal. Et évidemment, les amis. Et la fantôme x2 de Jack-O-Lanterne. Bon, disons que... Je peux en mettre une à la vente. Je peux quand même mettre une Jaco là à la vente. On va laisser au prix du Marchèse. Ouais les gars, bougez pas. Rendez pas ouf là 5 secondes. On a une 500 à vendre. 194, 147. On est... Et prenez les gars là. Par contre là, il va falloir ouvrir le porte-monnaie. Ouais, elle est seule à 130. On peut mettre... Non, on va l'arrondir. On peut mettre celle à 500, peut-être pas. Celle, on va la laisser à 194. Et celle-là, on va la laisser aussi. J'arrive, oh là là, c'est la bouchonnade, les amis. La bouchonnade. Il y a du monde, il y a du monde. Allez, les gars, c'est par ici la monnaie. C'est bon, ben, bien sûr que c'est bon, mon pote. 42 balles, tiens, mon pote. Allez, par ici, les gars. Allez, achetez les cartes, là, 31 balles. Allez, ça monte. Putain, je viens juste d'acheter le présentoir à 400 balles, je suis déjà remonté à 400. Ça va vite, ça va vite. Oh, il achète une belle là. Ah non, 39 balles. Les cartes qui restent là-bas, c'est du lourd. Hein. Là, c'est les petites encore là. Et bien sûr, un petit opening les amis après, évidemment. Plutôt très satisfait là, de comment ça se machine et tout ça. Ah, le nanomite, ça y est, 30 balles. Mais oui, mon pote, c'est bon, on en est bien. Combien ça l'a? 592 balles! Et voilà, mon petit coco. On a de l'argent. Ouais, mais il n'y a plus grand-chose. On a on est passé level 17, on a débloqué les ETB, les gars. 1200 balles. Eh ben écoute, on va les débloquer, ben on n'a plus rien, on fera le restock après, hein. On va revendre quelques trucs, il y a encore de quoi se faire un max de monnaie avec ce qui traîne dans les rayons, on déconne pas. J'ai pas changé le game, on en a peut-être débloqué un nouveau. Ancien, non. J'avais fait coupe de l'eau là.
On va faire coupe de terre, tiens, pour demain, tu vois. Je laisse, franchement, je laisse à 10 balles. Moi, ça me va bien, si tu veux. Oh, une carte encore. Attention, on a des lourdes, hein, 162 balles. Oh, attention, les gars. 138 balles. Allez, les gars, posez des cartes, là. Ou des box. Les box, ça marche bien aussi. Allez, mon coco. Il y a encore de quoi, les gars. Les decks, ils sont pas partis. Alors, les decks, on a mis quoi en price? Prix du marché. Ah ouais, 32 balles, t'abuses, Gorskull. On va mettre ça à 30 balles, hein, les gars. Hein, prix du marché, 27. Allez, 28 balles, gros. Allez. Alors, on va pas faire le mesquin, là, tout de suite, vouloir racketter. Ouh, les amis! Les amis, attention! 557 balles! On va pouvoir faire du restock et acheter des ETB, mon ami. Bon, alors ouais, effectivement, il y a peut-être quand même une différence. On discutait de ça avec Elisia dans les commentaires. Quand tu prends une boîte de 4 comparé à une boîte de 8, il y a quand même des frais et tout. Voilà, c'est à vraiment calculer, hein, vraiment. Ça se calcule, hein. J'ai pris que 4 là, les gars. J'arrive, bougez pas, attendez. Prix du marché 48, plus 10. Ouais, non, ça fait beaucoup, plus 10. Hein. On va, les 10%, c'est vrai, je me rends pas compte, ça fait quand même masse. Hein. On va pas non plus les. J'arrive, les gars, bougez pas, me rendez pas ouf. Voilà, on restock là vite fait. Hop. Voilà, ben, tu vois, ben, justement, c'est ce que je viens de commander, les gars, pour. Hein, remettre. Voilà, les deck box là, les gars, ça c'est bon, ça. Là, ça tourne. Oh, il n'y a plus de cartes à vendre. Voilà, pris les deux dernières. 211 balles! Ça, c'est bon. Oui, je vais gueuler. Oui, t'as dû baisser. Je vais gueuler à chaque fois qu'il y aura une somme intéressante. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de grésil et tout ça, que ça soit propre. La lumière, monsieur, s'il vous plaît. On est bien. J'aime mon petit magasin, là. Mais dépourvu, vide. Ah, putain, des cartes encore à 100 balles, les amis. Les foulards. Voilà, on est bon. Là, on va se refaire encore du masse. Hein. C'est vrai que 10%, c'est vrai. Quoi que sur les cartes, là, 10%, ils vont les prendre. Moi, je te le dis, mon pote. Les 10%, ils vont les prendre. Sur les grosses cartes, allez, au-delà de 500. Allez, on met le prix arrondi. Là, les petites comme ça, ils se prennent 10%. Hein. Faut pas déconner, les gars. Faut rentrer dans nos frais aussi. Hein. Vas-y, prends, mon pote. Mais oui, bah, tu vois, 10% alors. Mais sur les grosses, ben celle à 1800, peut-être que. Je n'avais pas touché le prix depuis un moment, ça avait peut-être évolué. Et on est retombé dans un prix plus ou moins raisonnable, peut-être aussi. Oh, un puant. Ah! Il n'y a plus de bonbonne quelque part. Si. Bon, c'est pas grave. Écoute, je te laisse. De toute façon, tu vas te casser. Merci pour la monnaie. Eh ben, je te rends rien, c'est très bien. Et non, c'est pas lui. Il ressemblait. J'ai cru que c'était lui qui m'avait acheté celle à 1800 balles. On est pas mal, les gars. On se fait plaisir, on va se s'ouvrir des méga box. Mais effectivement, comparé à certains youtubeurs et tout, là, bah, pour ceux qui connaissent Wendy, j'ai regardé sa chaîne, là, c'est tombé dans mes trucs, hein, tu vois. J'ai fait. Pas mes abonnements, j'ai fait accueil, tu vois, dans YouTube, et tombé sur une de ses vidéos, punaise, le mec, il a dit, si j'ai pas une A500, je désinstalle le jeu. Je regarde, le gars, level 74, 60, non, level 29, et jour 74, donc il a bien poncé le jeu. Le gars, il a pas une carte à plus de 500, il a eu sa première gosse dans l'épisode. Je fais, ah ouais, quand même, je dis, là, pour le coup, je suis assez chatard, finalement. Donc je me dis, il y a pire, on va s'acheter une boîte de fous malades là. Là on dépense sans compter, on est comme ça les gars. On dépense sans compter, on se fait plaisir. Donc effectivement, frais de livraison à 5 et il y a bien un euro supplémentaire comme Elisia elle avait dit. Puisque moi j'ai mis quantité 2, voilà, frais de livraison, en expliquant que ça revenait au même. Mais à partir du moment où tu en prends 3, tu as un euro en plus. Bon là. Effectivement, 1 euro, bon, hein, c'est pas. Attendez, bougez pas. 1 euro. Et puis, comme tu as pu le constater, j'ai re-rangé comme il faut. Hein, tu vois, j'ai mis bleu, orange et violette. Hein.
je suis à vous. Histoire que ça soit un peu plus esthético, un peu plus rangé, soigné quand même, les gars, je ne déconne. Oh là, c'est des grosses cartes ici, hein, à 32. Hop, il y en a dedans ou pas? Non, bah il est vide. Bouge pas, je jette ça, mon pote. Attends, on va me les faire dépouiller. J'ai de la place, oui. Ceux-là, c'est deux petites cases de 32. On se les ouvre, hein, les gars. Et les ETB, là, peut-être. Oui, je sais pas, peut-être. C'est, on va se les ouvrir, bien sûr. Et 112 balles, quand même, les gars. C'est des gourmands. On va regarder la note du magasin aussi, à 2 balles. Et on n'a pas... Non. C'est ça. Et c'est ça, s'il vous plaît, monsieur. On va mettre les fantômes, hein, quand même. Attends, hop, hop. Et on garde un pour Porci, les gars. Oh, le Porcifeu, mon cochon. Ah, ceux-là, je les garde. Hein. Ceux-là et les Floumis. Ça, c'est mes cards. Hein. C'est mes cards. Les peluches, tiens. Qu'est-ce qui se passe autour des peluches? Ouais, 10. Non, ça va, les gars. Eh, 24 au lieu de 22. Ouais, je te les mets, vu qu'elles sont nouvelles. Ah, je te les mets. Si je les mets à 26 balles. J'ai combien de profit? À 10 sur la peluche. Allez, ça va, franchement. Ça va. Ah, bientôt à sec. Et pique pas tous les bons, toi, mon pote. Ah non, 6 balles. Excuse-moi. Je voulais pas, j'ai pas fait exprès. Basic Art Pack. Pas cher. Bah, tu vois alors. Sans déconner. Alors, j'ai. Quoi encore? Ah oui, c'est les sleeves. Faudra que j'en remette là, ouais. C'est parti un petit peu. Donc, c'est bien, on a de la nouveauté. C'est intéressant. On pourra se racheter encore une étagère quand on va restock, mais comme des zinzins. Alors là, on en a 64, on a 5 ETB à ouvrir. Oui, ouvrir, on va mettre ça en vente, c'est cela. Voilà, parfait. Et c'est bientôt, bah, c'est la fermeture, les amis. Closed, hein, s'il vous plaît. Faire le petit récap direct. Ouh, la carte de zinzin, là. Oh là là, 98 balles, s'il vous plaît, monsieur. On est beau. On a fait l'event pour demain, on a 3 emplacements de cartes. Tetramon, 1, 2, 3, ouais, allez, hop, c'est du 30 balles, là, 100, on met 10, hein, dessus, sans déconner, on les vole pas, et c'est tellement un drame d'ouvrir des boosters comme ça, c'est tellement pas agréable et tout, je comprends pas, tu vois, enfin, si, je comprends, donc il faut quand même que ça coûte un petit peu, oui, il faudrait que j'achète des ETB bleus. Allez, les gars, c'est fini. Hein. Oh. On va passer la journée, on va voir alors ce qu'il en est. 15 mécontents quand même. Hein. Ouais, bon, là, les gars, bon. Hein. Hein, bon. Est-ce que j'ai les avis encore en compte? Ouais, du jour 17, ah ben, on les a, ouais, impeccable. Best Shop, hein, le Gore Shop. Ah ben, les gars, il n'y a pas. 4,60, hein, on est. Oh, faut qu'on l'attrape, lui. Hein. Cette odeur. Ouais, gros, attends, t'as juste eu un gars qui... Man, some of these customers are estimated. C'est toi le nasty, là. Les gars, opening, bien sûr. Allez, hop là, une fois. Ah, on fait pas les sauvages, on pose ça propre. Les ETB, elles vont virer aussi. Allez, on commence par les ETB, les amis. Let's go. On veut du salmon lourd pour commencer la journée. Après, on est gourmand. 16 balles. C'est vrai qu'on est assez chanceux quand même. Mine de rien. Bon, j'avais ouvert quand même un sacré paquet. Hein, mine de rien, les gars. Quand je dis un sacré paquet, c'est peut-être 3 cases de 62 boosters. Là. J'ai mis l'animation au maximum. Hein. Nous, ce qu'on veut voir, c'est bien évidemment les nouvelles, les bangers, hein, les gars. À 19 balles, l'évolution d'Hunger Fist. Allez, fais-nous plaisir, fais-nous rêver, là. Les gars, la chance n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais ne chialons pas. On a remonté quand même la monnaie avec pas mal de bangers que j'avais eu en ouverture en off. Bon, on va pas chialer. Édition or, édition argent. Première édition. Allez, la dernière ETB.
97 balles. Ça, c'est bon, les amis. Une édition gold, hein, en brillant. Non, elle était brillante ou pas? Si, si, elle était brillante. Pour une gold brillante, c'est pas fifou. Alors, j'ai pu remarquer, oui, t'as les éditions classiques où t'as rien marqué dessus, les éditions argent où t'as le bord argenté, les éditions or où t'as le bord en or, mais oui, c'est logique. Les premières éditions, hein, donc là, tu vois, on a deux éditions en or, là. La première édition, là, la Gong, Conciflex, Conflit, quelque chose, hein. Et après, tu as ce fameux, tu as les X, et tu as les Full Art. Et après, c'est brillant une fois sur 20. Donc, si tu tombes sur une rareté de type X ou Full Art, et Full Art brillant, non? Bah, le mieux, c'est X. Ah, il nous en restait une, les gars, elle était cachée. Full Art brillante. Est-ce que les Full Art peuvent être brillantes? Et voilà, 52 balles, les gars. Ça va, franchement. C'est pas détruit. Et on en a une à quasiment à 100 balles, hein, les mecs. Hein. Éloigner un peu mon micro, là. Je vois la jauge aller dans le orange. Et le orange... Oh, il y en avait encore une cachée, les gars. Merde, alors. Ah, on se régale, les gars. On veut du bangers. Hein. De toute façon, on va regarder au niveau des raretés. Tu vois, une première édition, édition argent là-dedans. Et une carte sur 20, ça pop la brillance. Édition argent! C'est brillant ou pas? J'arrive pas à voir si c'est brillant. Ouais, ça m'a l'air brillant. Non, non, pas du tout. Argent, tout seul, arrête de fumer. Là, il y avait une brillante, voilà. Quoique, l'argent, on aurait dit qu'il y a des petits points. Et la frérette, en IX, tu vois, en X. Là, tu l'as en brillante, là. Ouh, ça pique, hein. Mais Full Art, brillante, oui, il me semble que c'est dedans aussi, hein, les gars. Attends. On n'aime pas raconter des conneries ici, vous le savez, les gars. Full Art, ok, art complet, voilà. Eh ben oui, Full Art brillante, ben c'est les plus chers, les Full Art brillantes. Après, tu as les X en brillant qui coûte cher et les éditions or, bon, ça cote un peu, on en a une, hein, tout à l'heure. Rappelle-toi, c'est la 100 balles, la petite fleur là. Attends, elle est là. Pas la fleur, pardon. Pas du tout, édition or tout seul, hein. J'ai pas l'impression que ça brille. Là, ça brille. Est-ce qu'il la met ou pas? Non, édition or. Après, t'as les petits points là sur le teco. Ouais, ouais, non, si, si, c'est or brillant. Si, si, il y a les petits points là. Hein, donc ça, tu l'as en brillant, là. La Full Art, là, comme ça, là. T'es beau. Bon, les gars, il nous reste... Combien de boosters? Ah, on est bien, là. Ah, il nous reste un paquet de boosters. Voilà, on se fait plaisir, les amis. Ça, c'est ce qu'on aime aussi, l'ouverture dans le game. Pas que de faire que de vendre et tout, mais au moins, voir un peu comment le magasin, il tourne et tout, c'est plutôt pas mal. Acheter, réapprovisionner, refaire du stock, essayer ça. J'aimerais une grande armoire aussi, là. Et surtout, les gars, avant d'acheter l'établi, j'aimerais acheter la machinerie derrière et mettre mon stock derrière, tu vois. Donc peut-être essayer d'aller jusqu'aux 2 500 €, il me semble. Ou c'était 5 000. C'est combien déjà le magasin, là? À 5 000 balles, putain, les gars, merde. Bon, allez, on peut toper un lourd, hein, on sait pas, hein. 19 balles. Donc un X, hein. Bon, généralement, un dans une box et dans une case, c'est déjà pas mal. 65 balles, le Full Art. Dommage qu'il n'était pas brillant. Tu vois, il aurait pris la brillance, là. Ou mon petit cochon, là, il y avait de la valeur derrière. Hein. Je te le dis, ma gueule. Là, on était beau. Hein. Là, on était repeint le papier peint, mon gars. Ah, même vous, là, c'est toujours le plaisir aussi. Enfin, j'espère, hein, j'espère. En tout cas, ben, ça fait plaisir, parce que même si on fait pas les 100 vues, on s'en fout. Mais au moins, là, une bonne quarantaine de personnes suivent la série, donc en vous remerciant. Et d'ailleurs, je viens de recevoir un commentaire de 3DK Maker, là, les gars. Ben, tu sais quoi, je vais le lire là à l'instant, puisqu'on est au lundi soir, là où j'ai posté la vidéo. Donc, et 14 balles, et 43 balles, et 6 balles. Et c'est combien de 1 950 balles? Putain de merde!
2950 boules. Et voilà, papa, full art brillanto. Amigo, alors qu'est-ce qu'il nous dit ce cher 3DK Maker? Tu nous as porté chance, hein, ce petit cheater. Attends, ben du coup, je vois je vois plus la notif. Putain, j'étais en train de regarder. On est en train d'ouvrir, les gars, sans déconner. Qu'est-ce qu'il nous a mis, ce petit cochon de... Ah, 3DK Maker, les gars, je vous remets le... Si j'y pense, là... Putain, je regarde, et puis vous avez les sons et tout qui revient, là. Chouette série que j'ai suivie jusqu'ici. Hâte de voir la suite, mon pote. Mais bien sûr, my friend. Là, la suite, tu vas le voir. Ouais, il va falloir que je fasse un compresseur sur cette partie. 28 balles. Un coup de compresseur. Ouais, bah, quand je vois effectivement le monsieur Wendy, la galère, toujours un plaisir, Tony, a.k.a. 3DK Maker, les gars. Allez voir sa chaîne. Hein. Pour ceux qui kiffent, les impressions 3D, les machines à gogo, les machines résinantes et résineuses. Des filaments en veux-tu en voilà. Donc non. De la gravure sur bois, enfin je sais pas d'où, sur plastique, enfin des trucs, il fait des trucs de zinzin le gaillard. Je vais te mettre sa petite. Oh les gars, mais what the fuck man. Non c'est pas ça, regarde. Ah là là, ça c'est ce que je voulais que ça. Et ben voilà, tu vois. On l'avait eu en full art. Et on la chope en full art brillant. Et t'as vu là. La dingue, gros, 2950 balles. Ah, c'est beau. Ah, va la mettre là pour l'instant, les gars. On n'a pas besoin. Ah, quoique. Ah, si on arrive à la vendre, on peut acheter, évidemment. Le truc numéro B, Talonica, 16 balles. Ah, les amis, on est bien. On est bien. 6 balles pour Grisky, Grisy, j'en sais rien. T'es pas très joli. Mais 2900 balles, les gars. Ah, le pauvre monsieur Wendy, là. Je l'ai vu juste avant, là, en buvant mon petit apéro tranquille. Ah, je vais être obligé. Bah, quoi que je mets un compresseur, un machin, une normalisation sur mon son, une petite amplification derrière, histoire de radoucir le truc après. Une fois que j'ai normalisé, de tout mettre au même niveau. Ouais, disons que normalement ça devrait aller. Disons que. Ah, cette balle. Disons que là, sur la miniature, je vais pas vous spoil la carte. Je vais peut-être. Ou alors je vais mettre la carte et je vais mettre ça vaut combien ça les gars. Ça fait 5 balles pour l'évolution d'Angerfist les amis. Et ben là mon petit Johnny, je m'attendais pas à ça tu vois. 103 balles la même, deuxième full art. Plus la troisième full art brillante. Mais oui les gars, on est là. Mais quel épisode de zinzin. Ah, ça, tu vois, ça me fait plaisir, parce que c'est fait pendant le tournage, et pof! Méganite, mon vieux, brillant, première édition. Et 74 balles! Mais ça s'arrête plus, les gars! Et encore 20 boules! Et 6 boules! Et 11 boules! Oh, putain, imagine, t'es dans ton salon, tu regardes ça, tes gosses, ils arrivent derrière, mais... Et 29 balles! Mais c'est quoi ce zinzin qui... C'est quoi ce taré qui crie dans la télé, papa? Il sort d'où ce dingue? Ne t'inquiète pas, mon gars, c'est Gorskull. Tu vois, on a encore même du jus quand c'est des cartas. 18 balles qui tombent, on est content. Et le mini-mythe en édition gold. Dommage qu'il était pas brillant, on serait fait un petit 100 balles là pour le coup. Ouverture incroyable, les amis, c'est deux cases, deux méga cases, 36 balles pour le pingouin, le pigeon. Non, ce n'est pas un pingouin, Gorskull. Calme-toi. Bon, ouh, que d'émotion, les amis, je suis en sueur, si tu vois ce que je veux dire. Bon, 3, aïe, 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 combien vaut cette pépite, les gars? Bon, attends, on va restocker un peu. Attends, c'était quoi, là? Des ETB bleus, des boosters bleus, j'en ai plus ça. Je voulais voir pour la grosse armoire de machinerie là. Pour le stock là. Mais le problème qu'il y a c'est
Alors attends, je vais faire ça, juste voir si on peut la mettre dans une sorte de mettre en boîte. Mais est-ce que la boîte, je peux la... Ah, mais si je la laisse dehors. La boîte est big, hein. Ouais, non, la boîte, elle est trop big, hein, les gars. Je vais remettre ça là, je vais arrêter de faire le naze. Ça, c'est plein, on a vu là-bas, mais... Bon, on va commander ce dont on a besoin, les amis. Hop. One fois. Yes, ajouté au panier. Et puis, c'était bon. Il fallait que du bleu, hein, les gars, il me semble. Hein. Oh là là, mais que d'émotions. Que des... Ah là là, les gars, les émotions sont puissantes. Hein. Voilà, les ETB toujours en bas. Mais là, j'avais fait un petit mix hein, tout à l'heure, c'est pas grave. Allez, on recharge. Et tu sais quoi, attends. Hop, bouge pas, bim. Allez, tiens. Toi, 10 balles ou je remballe. Hein. Ah, l'émotion de. Ah, puis il me plaît bien ce carton. Hein. Attendez, bougez pas, les gars. Bougez pas, on se fait une petite ouverture à la vite fait en scred. Bah, 2900 balles quand même, les gars. Merde alors. Hein. Bon, je sais qu'il y a plus haut encore, hein, évidemment. Mais déjà, quand je vois certains qui galèrent de ouf et qu'ils n'ont jamais de carte à plus de 500 au bout de 70 jours d'ouverture de magasin, quoi, le gaillard. Hein. Une à 1009, là une à 2900. Trois fantômes, enfin trois ghosts. Quatre cartes à plus de 500 encore, à 500 et des bananes. Je me dis, oh, ça va quoi, hein, les gars. Alors, il y en a peut-être qui ont topé, c'est pas peut-être, c'est même sûr, qui ont topé une à plus de 10 000, mais bon, c'est pas mal. On va reprendre des machineries là. Des deckbox là, les gars. Accessoires, hein, les gars. Oh là là, putain, sûr, les gars. Ouais, là, vraiment sûr, les gars. Papa, c'est qui ce fou là qui crie dans ta télé? J'imagine la scène, punaise, sans déconner. Royal. On va faire ça, voilà. Faire bleu et rouge. Voilà, les gars, je pense que ça vous aimez. Et moi, j'aime bien aussi quand c'est comme ça. C'est rangé, c'est carré, c'est béton. On a de la diversité, les gars. Tapis de jeu, pourquoi pas se prendre une licence. Bon, après, c'était 1000 balles, hein, celui qu'on voulait. Hein. Il y avait une licence à 500. Voilà, les decks préconstruits, mon pote. 56 balles, mais oui, tu vas te régaler. Oh là 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 là, toi, t'es un bon, là, mon petit pote, là. Et tu sais quoi? Allez, je te fais une promo 105 balles, mon pote. Eh, t'as vu, je voulais être sympa, les gars. Je voulais lui faire une petite promo. La foulard qui part, les amis. 89 balles. Attention ici. Chargez les sacs, hein, à bloc, hein, les mecs. Hein. Allez-y. Et voilà le Krabicoque Full Art, les gars. 72 balles. Bon, on a de quoi mettre en vente aussi, sans déconner. Hein. Ouais, du 103 balles, du 100 balles encore, du 70 balles. On est mine de rien. Et à chaque fois à la caisse, ça monte. Hein. C'est pas déconnant d'ouvrir des packs de boosters hein, quand tu regardes ce que. Tu vois ce que ça peut te ramener. Hein. Alors pour l'instant, la garde en collecte. La grosse carte quand même. 2900, Gorskull. Ah, voilà, Puantos. Attends, je regarde juste mes recharges là. Ou bientôt canner. Alors, ce que je vais faire, regarde, je vais faire ça. Hop. Je mets de l'autre côté. Au moment, ça prend parce que ça peut fonctionner et prendre hein, comme ça. Hein. Voilà, les ETB, là, mon ami, 82 balles, mais oui. Ça, c'est bon, ça, voilà, des decks... Ouh, des decks préconstruits, ça fait un peu beaucoup, là. Oh, 200 balles, quand tu veux, tu reviens, bien sûr. Oh, les amis! Mais qu'est-ce que fait cette boîte, ici? Ah, oh, tous ces boosters, là, les gars, mince, alors. On les... Et 5 balles! Bon. Ah ouais, là, c'est... Non, franchement, comparé à certains... Hein, pour ceux qui... Ouais, bon, 2 balles, là, le... Bon, on peut pas abuser non plus. Ah ouais, là, on prend, là, on... Là, on... Aïe, ouïe, aïe, aïe. Ah, si, 11 balles pour Tétron Brillant. En première édition, s'il vous plaît. 58 balles, la Full Art, encore! Incroyable taux de drop, aujourd'hui. Mais zinzin. Incroyable taux de drop, hein, les gars.
Ah oui, mais écoute, si tu te lavais, mon pote, 113 balles, merci, mon cochon. Le professeur est là. Le professeur est là. Ah, il va nous acheter du lourd, c'est sûr. Heisenberg, Heisenberg, bien sûr, il est là aussi, lui. Allez, prends tes 6 balles. Le professeur, fais-nous plaisir. Eh oui, le porcifeux, toujours. Je sais pas ce qu'il fait avec, mais il doit les exploser à coups de dynamite chez lui dans son jardin. T'es l'acheteur. Bah, toi aussi, tiens, lui, il en prend souvent des porcifeux. Ah, c'est lui qui nous a pris tous les boosters tout à l'heure, hein, ce petit gourmand là. Ouais, bougez pas les gars, bougez pas, je suis à vous tout de suite. On s'ouvre une petite. Voilà, une petite. Poignée de boosters bien sympathiques. Hein. Qui ont bien. Ah ouais, non mais la carte. Écoute, je vais quand même essayer de la mettre en vente là. Je vois, les cartes elles partent là. Les gars ils commencent à avoir de l'oseille. Et quand je vois le montant en haut, je me dis, les 2009. On les a, on ouvre la cellule derrière et on prend l'établi, tu vois ce que je veux dire? Il faudra encore 1000 balles pour l'établi, mais hey, oh, toi t'as un bon, toi. 230 balles, les gars, non, mais what the. Pas de gros mots, s'il vous plaît. Bon, allez, on la met, les gars, hein, on la met là devant. Prix du marché 2950, tu sais quoi? Je vais la mettre à 2900 parce que. Hein, on est des bons. Je peux en mettre 6 encore. Regarde-moi toutes ces foulards là. Énerverie totale dans cet épisode. C'est de l'énerverie totale. C'est incroyable là, ce qui se passe. Ah, heureusement que ça s'est passé là pendant que je tournais, les amis. Hein. Ah, j'ai pas ronti. Bouge pas, bouge pas. Voilà. Oui, ils sont arrondis. Voilà, 2900 euros, les amis. Est-ce que ça part aujourd'hui? Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas? Tout est possible. Tout est réalisable. Ah, il retourne voir les cartes. Et voilà, direct. 116 balles, bien sûr, les amis, je vous l'avais dit. Ça rapporte. Ah, porcifeu, let's go, 24 balles. Les peluches, on a encore. Le mec, il s'enflamme comme un ouf, comme s'il était en train de faire une course. Et il nous en reste, bien sûr qu'il nous en reste. Attends, tête d'œuf. Je vais juste ouvrir un gros banger devant ton zen. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bon, là, pour l'instant, il est en train de se moquer. Ah, mais je l'ai pas vu venir, hein, le coup du 2900. Et 105 balles, je te l'ai dit! Édition or! Brillante, les amis, 105 balles. Évidemment, nous, on veut du foulard brillant. C'est ça qui pèse dans le quartier. Ah, une brillante normale, ça rapporte rien, mon cochon. Attends, j'arrive. J'arrive, ne tente. T'excites pas, mon pote. Non, ouais, là, c'est assez insane quand même aujourd'hui, hein, mine de rien. Et voilà la full art, 61 balles. Ah, 48, j'ai cru que c'était l'autre. Non, non, il est toujours là-bas. Tu vois, et les cartes, sans déconner, hein, tu vois. Tu te fais plaisir, tu ouvres et tu vends. On a 3000, hein, mine de rien, là. Sans faire trop de restock et tout, là. En plus, on est à sec. J'aimerais bien la grande étagère, quand même. Après, c'est celle-là, la petite. Je sais pas où la mettre. Bon, c'est combien, là? 26 balles. Tiens, je te rends 5, je suis sympa. Ah, vous avez trouvé votre bonheur. Mais oui, bien sûr, madame. 20 balles. Let's go. As-tu une petite bombe? Ah merde, pas une sleeve. Mince, on dit bien sûr, Gorskull. Surveille un petit peu ton langage. On va le tourner de sens. Je crois que je l'ai double tourné là. Non, c'est bon. Les gars, une carte là, 2900 balles. Faites-vous plaisir. Les tapis de jeu, les jeux de société, on va foutre ça derrière. On va se prendre une. Quoique, je prends la licence ou pas? Est-ce que ça vaut le coup tout de suite de prendre le machin derrière? Ah, écoute, pour cet épisode-là, je vais pas prendre. Je vais vous laisser le temps de respirer, de voir l'épisode et puis de me dire ce que vous en pensez. C'est quoi qu'on fait le mieux? Là, pour l'instant, l'établi, c'est pas une prio. Ça va être sympa de faire des bulk packs. Ça rajoutera un truc en plus. Donc, tu vois, on pourra mettre. Ça sera des boîtes de 100 cartes. Et on pourra leur dire d'une valeur de, bah, les cartes, hein, de 0 centime, enfin pas 0 centime, de 1 centime à 1 euro, si tu veux, toutes les cartes communes que j'ai, tu gardes juste un exemplaire et tu charges, vu le nombre de cartes que j'ai, en 50 tuplons, est-ce que tu veux?
El Puyentos, et voilà, ben oui. Si tu te lavais au moins, saloperie, va. Oh, la foularte là qui pèse dans le quartier. 100 balles. C'est ça? Ben oui, bien sûr, monsieur, vous savez pas lire. Ah, voilà, une ETB, ça c'est bien ça. Et voilà, la nanomite. Ça rentre, on encaisse, hein, les gars. Sachling, hein, sachling. Et voilà, à charge, les gars. C'est justifié, mais oui, bien sûr que c'est justifié. Et elle est incroyable, hein. Attends, là, combien la porcifeu full art 1300 balles, je la... Bah non, je la vends pas, il m'en faut pour la collecte. J'ai la porcifeu EX, EX, EX ou X. Hein, ça, chacun dit, voit. Je vais changer à chaque fois parce que j'ai pas vraiment de manière de le dire. Les ETB, ça part. 30 balles, merci monsieur. Voilà un porcifeu là-bas, les gars. Allez, je t'attends. On a fait déjà pas mal d'améliorations. On va acheter des nouvelles, des nouveaux trucs là, les gars, quand même. Hein. On a assez de monnaie, on verra, on va se faire le. J'aime bien ça, le Tetramon Collector, là. Je vais l'acheter. Et écoute, le. J'aime pas trop lui. Hein. J'aime bien lui, là, sur la plage. Hein. C'est 1000 balles, mais c'est pas grave. On achète deux. On achète deux classeurs là. À 600 balles. Voilà. Il nous reste 1000 balles. Peu restock hein, pour ce qui est booster et autres. On se diversifie encore. On va mettre les classeurs en bas. Ah, c'est. Ok. Ouais, c'est cool. C'est cool. J'ai pris deux boîtes. Donc 4 classeurs par rangée pour le coup. Ça, c'est plutôt cool. Bougez pas, les gars. Ouais, 55 balles le classeur quand même. Hein. J'ai pas regardé au niveau profit. J'arrive, les gars. Bougez pas. Ok, là on peut. Oh, c'est bizarre ça qu'on. Ok. 10 arrondir. Ouais, 29 balles, ça me paraît bon. Ah, c'est peut-être l'étagère qui fait que. Monsieur, rangez un petit peu vos affaires là, s'il vous plaît. Ça fait négliger votre magasin. Votre magasin. Après, ça peut peut-être rentrer dans en ligne de compte, hein, dans les avis. Voilà. Pas mal ça, ces petits trucs là. Je vais pas les mettre en haut sinon ça fera trop. Voilà, c'est bien. Petit tapis de jeu. Et puis on se prendra une boîte de jeux de société. Et là, niveau diversité, on va continuer à up. Comme ça. Avec tous les produits qu'on a, on va juste agrandir, ajouter une deuxième armoire pour en mettre encore plus. Et on va laisser monter. Oh, elle est partie la carte là, non? Putain, bouge, ah, je peux pas voir à travers. Elle est pas partie là? Il n'y a pas quelqu'un qui l'a? Prépare-toi quand il va se tailler là. Ah non, elle est encore dessus. Ah, ah j'étais déjà en transe là. Et moi qui venais de bousiller tout mon argent. Ah, je pense qu'on peut encore se débrouiller avec ça. Au pire, je laisse le carton sur le trottoir, hein, à l'autre bout de la rue, de cette étagère là. Hein. J'aimerais bien la grande. Attends, fais voir. Petite étagère d'entrepôt, non? Grande, il me la faut. J'achète. Ah, est-ce que c'était une bonne idée de l'acheter maintenant? Non. Est-ce que je m'en fous? Ouais. Est-ce que j'aime jouer avec le feu? Oui. Tenez les gars, je vous l'offre si jamais. Est-ce que ça rentre au moins maintenant parce que j'ai fait ça? Eh ben oui, eh oui. Eh oui, abruti. Ah mais ça fait moche comme ça, non? Ah, ah. Ouais, j'arrive à. Ah, ça fait pas beau là. Bon. Ah, je me suis démerdé comme un manchot. Ah là, j'ai fait le manchot. J'ai fait le manchot, le dé, 1 euro. Ah, tiens, monsieur. J'ai fait le manchot. Bon. Je peux me caler derrière, sur le côté. Ok. Les ETB toujours en bas. Tout ce qui est sleeve. Je peux tout en haut? Il voudra pas tout en haut comme l'autre. Revoyons la machinerie.
Mais là, ils pourront pas, il y a le diffuseur là. Ah, je me suis mis dans une panade là. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Hein. Évidemment, sur le côté, on pourra pas le mettre lui. Eh oui. Bon. Hop. J'ai fait l'idiot. Ah, et ces trucs qui sentent bon là. Ah, j'ai fait bon, j'ai fait le naze. On a des cartes à remettre là en place. Il faut quand même, hein, évidemment, les amis. Est-ce que je vois? Ça tourne. Je vais me le garder pour plus tard. Je vais me creuser la tête. Hein, vu que je vais rejouer en off, essayer de faire un truc un peu plus. Putain, ces deux machins, ils me hantent là. Parce que si je mets ça là, j'ai peur. Ben. Ah, quoique. Ah, attends, il pourrait peut-être passer, hein. Moi j'ai juste peur qu'ils arrivent pas. Moi j'arrive à passer. Est-ce qu'ils s'y passent au travers là? C'est ok, mais ça me plaît quand même pas ça. Attends. J'aimais bien ma caisse là. Franchement, la caisse ici c'était pas mal les gars. La caisse ici j'aimais bien, là c'était propre. Ok. Ah, mais si je la colle trop, c'est ça le problème. Si je la colle trop. On sait que je peux passer derrière, hein, les gars. C'est ok là. C'est ok. Là, il se prend. Un... Regarde bien le combo. Il arrive, il se prend un coup. Chut! Il arrive ici, il se prend le deuxième coup. Là, c'est full combo. Alors, du coup, je fais ça. Et je tourne dans l'autre sens, comme ça. Hop. Et il y a la bonbonne toute neuve. Juste peur qu'ils n'arrivent pas à s'installer derrière. Donc, ça, on va le voir. On va se faire quand même un opening. Et quelle heure 47, on a fait beaucoup d'opening. Hein. On pourrait se. Ouais, tiens, allez, on se fait plaisir. On va s'en ouvrir quelques-uns. Puis, on va voir comment ça tourne. Et on va laisser gonfler de nouveau la monnaie, jouer en off les amis. Et laisser monter tout simplement le pèse quoi. Je pense que niveau licence on est pas mal. Niveau 18, est-ce qu'on n'a pas débloqué la nouvelle licence là de cartes? Il me semble que c'est peut-être plus tard. Attends, on va finir d'ouvrir ces boosters là. Est-ce qu'on n'a pas après les violets? Non, c'est niveau 20, les amis. Mais peut-être avec tout ce que je vais ouvrir et jouer en off, on pourra le découvrir ensemble. Ok, ETB ici, sleeve ici. Ah ouais, faut que. Ah, je refasse du stock. Hein. J'ai plus que 600 balles. J'ai fait le gourmand, j'ai dépensé. Bon, après, on a vu. Ah, il y a. Ah, bah, elle est vide, la boîte. Impeccable. Est-ce que je peux stocker ça? Ça m'étonnerait que je puisse la stocker là-dedans. Ah, attends. Au final, est-ce qu'on se fait pas un combo là? Comme ça, tu vois? Hop. Disons que quand tu rentres dans le magasin, ça fait pas très. Hein, Stéphane Plaza, il dirait, bon, t'arrives. Disons côté esthétique, c'est pas fou. Hein, mais attends, si. Ah non, écoute, on va rester là-dessus, je vais pas vous emmerder avec ça maintenant. On va se rouvrir. Tiens, une petite TB là ici, les amis. Allez, les traditionnels. Je sais même pas sur quel. Sur du violet ici, c'est sur du violet qu'on a ouvert ça là, 2900 balles. Et puis comme ça, on terminera là-dessus, on arrive à 50 minutes, c'est pas mal, on a eu de l'émotion, on a encore fait différentes choses. On va quand même ouvrir, voir si. Bon, logiquement, comme c'est posé là, 13 balles pour Hunger Fist, les amis, en version X. Ouais, on peut pas. Hein, on peut pas non plus faire les gourmands, hein, les gars. Fin de la journée, on va voir quand même ce que ça donne. Ouais, moins 800, mais c'est de la régalade. Un jour 18, les amis, quand même. 19, hein, voilà, c'est ouvert, les amis. Attention, là, le puant, là, il prend cher. Hein.
Ouais, voilà. Hop, vide. Mais tu vois, comme je l'avais tourné. El Puyentos, il s'est pris le double combo, là. Un tapis de jeu, on a vu qu'on n'avait pas mis ça trop cher. Pareil pour les classeurs. Écoute, ça passe. Nickel. Ça, ah, on n'a pas changé l'event. Tiens, ben, je vais le changer pour plus tard. Est-ce qu'il y en a eu? Ah, pas encore, hein. On va faire coupe devant, là, pour demain. Hop. Mine de rien, ça fait des petits, de la petite monnaie. 116 balles, ça c'est bon. Allez, in the pocket. Ah, punaise, imagine on arrive à vendre la grosse là. Ça pèserait direct pour finir l'épisode ça. Hein, on va réapprovisionner tout ça les amis, ne vous inquiétez pas. Même des petites cartes là. Le porcifeu, l'évolution. Ah, c'est que des cartes à 20 balles. Hein, faut pas déconner, on peut pas avoir que du sang tout le temps. Tu vois bien que c'est dispo, mon petit cochon. Ah, faut remettre tous les prix. C'est pas vrai, ça n'a jamais été vendu ici ou quoi. Hein, les petites, hein, 10 pours, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'embrouille. Hein, j'arrive, monsieur, j'arrive. Ah, on n'aura pas fait trop d'ouverture là sur la fin. On en a eu beaucoup au milieu, on a eu de l'émotion. Ah, je suis pas sûr qu'on en a encore. On va s'ouvrir une TB, une dernière, les amis. J'essaye de lire dans votre esprit entre bleu, orange, violet. Moi, je me dis dans votre esprit, vous dites, violet, c'est là qu'on a topé la grosse carte. Eh ben oui, évidemment, allons-y, pourquoi pas. Pourquoi pas un dernier banger, les gars, avant de nous quitter sur cette folle enjambée, encore une fois, en termes de niveau de magasin, de diversité, de produits, de clients aussi, hein, ça tourne, hein. Peut-être quand même essayer, ouais, de prendre un Gus, tu vois, qui va la caisse. 21 balles, édition argent, évidemment brillant. Or, ça aurait fait un petit 80 ou 100 balles, tu vois. 108 balles. Ah, il était brillant. Là, on prenait un tarif monstre, les amis. Oh, le petit porcifeu qui est là. Ah, mine de rien, on injecte, hein. Dans le compte. Oh là, tapis de jeu là, mon pote. Tais-toi, t'es dans un club. Hein. Punaise, 140 balles de facture, les gars. Ah, la nouvelle peluche. D'ailleurs, eh les amis, ben oui, on oublie. Ben c'est moi qui oublie. Ah, avant de faire quoi que ce soit, on aura, évidemment, 2500 balles à mettre dans Burpig, les gars. Porcifiacre évolué. Oh, ah, j'ai cru que c'était celle-là. Elle s'est retournée, t'as vu? 124 balles, mais bon. Les gars, on est bien. On est sur le même dosage que d'habitude. Bon, en tout cas, on est beau. On est bien, ça fait plaisir. Je vous remercie, bien évidemment, encore une fois, de m'avoir suivi. On va essayer de réarranger tout ça. Ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!